Je suis maintenant dans mon espace pour créer les circuits électroniques. Je vais cliquer sur Créer un circuit pour commencer mon premier circuit électronique. J'arrive sur cet espace où je vais pouvoir faire la création et puis à droite, j'ai la bibliothèque de composants. Je vais cliquer, le premier composant qui m'intéresse, c'est la carte Arduino. Je clique dessus, je la déplace, je la mets ici à gauche de mon écran. Je peux lui donner un nom. Pour l'instant, ce n'est pas mon souhait. J'ai besoin d'une résistance. Là aussi, je peux changer son nom et je peux même changer sa valeur. Je vais laisser celle-ci. Et j'ai également besoin d'une photorésistance. Voilà, j'ai placé ces deux composants. Je vais maintenant donc créer les fils. Alors, je vais partir ici de la masse du composant, la masse GND, c'est la masse. Donc, et j'essaie de faire des choses à peu près droites. Voilà. Je vais à la première broche de la résistance. Alors, on a l'habitude de prendre comme couleur du noir pour la masse. Ensuite, je vais partir de la résistance et je vais aller à ma photorésistance. C'est pas très droit, mais tant pis. Je vais la laisser en vert et je vais partir de la deuxième patte de la photorésistance. Alors, je vais remonter par là. Hop, hop, vous allez comprendre pourquoi juste après. Puisque je vais ici au 5 volts. Voilà, et là, comme c'est le plus, je vais choisir du rouge. Je peux bouger mes points pour que ce soit à l'équerre. Et voilà. Et ensuite, il faut relier le point qui est là. Alors, comme c'est le trait vert, eh ben, je vais cliquer ici. Hop, hop. Et je vais sur la broche à 0. Je laisse en vert, ça ne me dérange pas. Et voilà, j'ai créé mon premier circuit.